crème d'avocat et Saint-Jacques au fou de la passion, tartare de canard, royal de foie blanc et foie gras, et ici une petite déclinaison sur la betterave. Le croustillant de caille, donc la caille qui est rôtie, la pâte filo croustillante, farcie cèpe et foie gras. Au milieu, le nougat de haricots blancs, le petit haricot riz de Chambord, petite salade de chourras et un œuf de caille au plat. Très bon appétit. Donc la dorade au saté. Donc le filet de dorade cuit basse température, au saté, feuilles de nori. Et vous avez ici une petite mousseline de cresson, dessus le tartare de dorade et une émulsion de crustacés. Comment va ? Bien, c'est bien. Ça va ? Oui. Ouais, je me suis douté que c'était à toi. Voilà, c'est mademoiselle qui va travailler pour vous. C'est bien. Dans un coin. Donc en fin de compte, là on est sur une matelote de poisson d'eau douce, mais une matelote marinière, c'est-à-dire au vin blanc. Parce que la matelote, en général, souvent on connaît les matelotes d'Orbique qui étaient au vin rouge et tout ça. C'est souvent un peu plus riche. Le vin blanc, c'est plus délicat. Donc en l'occurrence, on a retravaillé une matelote, une version un petit peu plus moderne, donc avec une liaison uniquement par réduction, une sauce qui n'est pas crémée, comme toute matelote marinière, et avec tous les petits poissons noirs que l'on trouve actuellement. Bien que là, on a un petit peu plus de difficultés, puisque la Loire a quand même sérieusement monté, elle a triplé son débit. Donc le poisson, ça va le remuer, mais il faut attendre un petit peu, quelques jours, pour que tous les poissons se remettent un petit peu de leurs émotions. Et à ce moment-là, à mon avis, on devrait avoir des belles pêches ces jours-ci bientôt qui vont arriver. À peine. Donc on les fait cuire normalement dans la matelote. Les poissons sont cuits dans le vin blanc. Et là, en l'occurrence, moi, je me suis servi des arêtes des poissons pour faire la base de ma matelote et pour, disons, accentuer le goût de ce poisson d'eau douce, je préfère leur travailler à part, mais en meunière, façon meunière. Donc on explose un peu plus les saveurs. Et l'avantage aussi, c'est que par exemple sur l'anguille, l'anguille elle est complètement déglacée. Donc vous n'avez que la chair du poisson. Et le fait de poêler, de finir avec un petit beurre noisette légèrement citronné, vous accentuez ces saveurs qui sont beaucoup plus délicates que d'avoir cuit complètement dans la sauce. Vous avez le plat pour récupérer vos champignons, tout. Ça a été assaisonné, ça. Donc là, on a une anguille, on a de l'anguille, on a de la perche, et on a des deux brochets des arêtes, celui qui ont été confits au beurre noisette, et ensuite que l'on repoile rapidement. Je suis bien vendéen, donc j'aime le beurre. En fait, je me sers du beurre entier sur la fin, uniquement pour arroser mon poisson et pour que le petit lait qui caramélise se dépose sur votre poisson et qui vous donne ce petit goût de beurre noisette qui est très agréable. Comme c'est de l'anguille fraîche qui est élevée, il y a intérêt de laisser reposer le poisson un petit peu pour que la chair s'attendrisse, hein, parce qu'elles étaient vivantes mercredi. Hein. Allez, vous avez un petit peu de chair dans votre saumon. Donc en fin de compte, je mets un petit papier d'aluminium autour. C'est tout simplement que mon cuit poisson beurre noisette, eh bien, pour garder le pourtour bien blanc et juste les surfaces extérieures qui restent dorées. Je peux te mettre un peu de fleurs de saumon au dernier moment. Mettez plus vers le centre. Attendez, je mettrai. Voilà. Allez. Vos écrevisses. Forcément, dans la matelote, il y a aussi des écrevisses à l'origine. Donc, je garde quand même l'esprit des écrevisses. Tout est le... Voilà. Vous avez le premier, c'est bon. On va prendre quelques petits champignons. Donc là, les champignons, ça peut être des champignons de Paris. D'ailleurs, il y a les quelques petits champignons crus que j'ai.
Bah, j'ai utilisé quelques chanterelles, on a quelques chanterelles actuellement. Ces petits chromesquis sont ni plus ni moins que les parures de l'anguille qui sont travaillées avec une purée de pommes de terre, un petit peu d'ail et qui sont panées avec un petit peu de chapelure japonaise, de panko, qui vous apporte beaucoup de croustillant. Et donc de ce fait, vous avez un petit chromesquis qui vous permet de passer vos parures tout en vous apportant aussi des textures à votre plat. Vous avez une saucière. Donc la sauce est une sauce donc faite, comme je vous ai dit, avec les arêtes des poissons, le vin blanc, beaucoup de vin blanc, pas de crème du tout, émulsionné avec un petit peu de beurre, et la liaison je la fais avec une pointe de purée de topinambour. Voilà, vous pouvez me redonner un petit coup de mixeur, vous pourrez le faire pour le cul. Une petite pointe de pousse de persil, votre saucière est prête, et bien entendu quelques grains de fleurs de sel, et c'est parti. La matelote marinière, donc sur la droite, vous avez le filet de perche juste poêlé, en haut le brochet, cuit d'abord basse température et ensuite revenu au frais, et le filet d'anguille, chromesquis d'anguille. On continue. Donc le homard poursuivre, donc très légèrement fumé, vous avez la pomme de terre confite sur le dessous, la châtaigne, le lard de colonnata et un jus concentré à la badiane. La carpe, hein ? Carpe de Loire. C'est pas ta carpe à la Chambord, ça ? Carpe de... Ouais, à la carpe à la Chambord, avec comme la carpe à la Chambord est une carpe farcie avec une farce de brochet, en fin de compte, on va faire une mousseline de brochet qui va farcir la carpe et on va faire une sauce que tu peux voir. Ça, c'est la sauce faite avec les arêtes de la carpe et donc qui va être truffée, lard de colonnata et puis tout ce qui va bien avec. J'avais déjà fait l'année dernière, mais sous une autre version. Où les quenelles étaient à l'extérieur. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire comme à l'origine, avec les quenelles à l'intérieur. Et ben donc, elle a été totalement désarrêtée au couteau. Donc, tu as ton filet de carpe. Et donc, on va enduire, on va faire une farce fine avec les parures de la carpe. On va y ajouter, alors, une farce fine sans crème, juste la chair mixée avec des truffes. Et on va mettre ça ici, on va remettre notre filet. Et donc, tu vas avoir un braisage dans le vin rouge, les écrevisses, les champignons tournés, enfin tout ce qui va avec. Et le plus fort de tout, c'est que dans cette carpe, j'avais les laitances, parce qu'on sert avec les laitances. Et les laitances, c'était des vrais riz de veau. C'était des riz de veau, comme des riz de veau, avec la même texture et tout, et que l'on va faire paner, que l'on va servir avec. Voilà, donc ça, c'est la recette traditionnelle de la carpe. Pour madame, le filet de biche, sur le dessus, trompette de la mort, beurre d'aromate. Sur le côté, vous avez une petite feuille croustillante de riz avec la betterave ici caramélisée et quelques cèpes. Pour monsieur, donc le gérard à la royale, donc au centre, la paupiette. Le filet, juste rôti, quelques cèpes également ici, le cannelloni de pommes de terre, farci à l'intérieur, navet boule d'or, champignons et poireaux. Ah, là, il va être content, hein, Berthaud, il va être compliment, tu vois. La faute spécialement, c'est... Merci monsieur. Oui. Donc, nous sommes en présence des agrumes. Le sorbet calamansi. Donc un citron du Vietnam. Jaune à l'extérieur et orange à l'intérieur. Et je viens de rajouter une petite soupe de carcadet fantasia. Fallait pas me prendre comme ça. Oh, oui, bien sûr. Ça, c'est les petits pains de la... Ouais, ça, c'est au citron vert. Alors, on étale la meringue dans le chablon. Bien plat, bien net. Et après, on prend un petit couteau. On tire un trait comme ça pour que ça fasse des triangles. Et après, on prend notre papier et on le met en gouttière. Et après, on laisse sécher en déshydrateur. Nous, on fait en déshydrateur. Parce que ça évite que ça vole dans le four et tout ça. Le nouveau Papa Jet. Entre 5 et 6 000. Ah, allez, en avant. Donc, allez. Parce qu'il y en a deux à faire. Hein. Oui. Deux. Bah oui. Un praliné, un citron vert.
Mais mon épouse, elle ne sait pas qu'elle a un soufflé citron vert. Toi, il y a marqué citron vert. J'ai persuadé d'avoir un dessert au citron vert. Là, on démarre par le praliné. Hein. Ils n'ont pas la même cuisson, donc. Non, praliné, mais du praliné poudre. On met un peu de pâte à tartiner. C'est la vraie pâte à tartiner. Alors, c'est notre chocolatier qui l'a fait. C'est Weiss. Et après, on met la liqueur de noisette de chez Monsieur Girardeau. Donc là, on va monter, mais pas trop monter. Pas que ça soit grainé, pas que ça soit en bec d'oiseau. Donc le soufflé citron vert, on met des zestes dans les blancs. Comme ça, ça va bien s'imprégner du goût. Comment ? Ouais. Ah là, et là. Pour enlever les bulles d'air. Moi perso, c'est celui que je préfère. Super, ouais, super. Moi, tu vois, le soufflé citron vert avec un petit confit de passion. Ah ouais. Alors c'est à dire que tu prends des fruits de la, tu prends si tu veux faire un confit de passion facile, t'achètes une gelée d'abricot. Ouais. Une gelée d'abricot. Ouais. Passé, qui est pas de morceaux dedans. De tu prends des fruits de la passion frais. Mmh. Tu fais bouillir la gelée d'abricot. Tu mets des fruits de passion dedans. Donc quelques chocolats, vous allez retrouver un chocolat et pistache, l'orangette et le calice. Bonne dégustation. Joli. Oui. 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 Oui.